Welcome to the Salty Academy. Oh, ça va, ça va! Hey! Bonsoir à tous sur le campus de la Salty Academy. J'espère que vous allez bien alors que je suis en train d'arracher le rideau qui est absolument derrière moi. Oui, il y a un rideau. Hop là, marche arrière, tout. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, non, mais pousse-toi. Tu tires le rideau, Naruto. Oui, bah si tu tires le rideau, ça casse la magie du truc. Oui, mais pousse-toi! Pousse-toi! Remets le rideau! Putain, mais on peut rien te confier de toute façon. Tu pètes tout ici. Remets ce putain de rideau, nom de Dieu, pour te porter le burt. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Apparemment, il y a Squeezie qui a sorti une vidéo IRL. Bon bah écoute, s'il fait du Rainbow Six, ça commence à être... Déjà que l'autre jour, on a joué avec lui, donc c'est un garçon très bien. Déjà que c'est un garçon très bien, on le sait, hein, Squeezie. Mais en plus, là, franchement, il est en train de se mettre là-haut, quoi. Bon, venez rentrer dans le bureau, parce que je sens que vous avez froid, vous allez me casser les couilles. Toi, pousse-toi, t'es dans le chemin de mon bureau, nom de Dieu, voilà. Dégage. Et ferme la porte et mets de la musique, nom de Dieu, je vois rien de ce que tu mets. Tu m'énerves. Non, mais tranquille sur la musique. Ouais, non, mais un truc chill, je leur parle. Et de quoi va parler la vidéo de Squeezie? Oh, c'est terminé YouTube, les gars, la carrière là des youtubeurs, ça prend fin maintenant. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi tu nous as mis Squeezie là? Eh, hey, t'as deux boutons à faire et tu t'es planté, c'est ça? Mec, t'es payé 7000 euros par les étudiants de cette Salty Academy par mois. Par mois, 7000 euros, hein? Ah bah c'est pour ça que t'étais pas gilet jaune, hein, mon gars. 7000 euros par mois? Non, on se plaint pas, ok? Et surtout, à 7000 euros par mois, on se gourre pas avec deux boutons. Il y a deux boutons lecture. Il y avait un bouton pour la préparation de la vidéo et un bouton pour la musique. Dès qu'il y a Squeezie dessus, c'est que c'est pas la musique, en fait. T'as compris ça ou pas? Il est un peu con, hein. Ok. Du coup, la vidéo de Squeezie qui s'appelle La première fois. La première fois. Ouais, je pensais que c'était un tuto... Fuse, au niveau de la barricade, en fait. Ah ouais, c'est okay, le cinéma, tout le monde ferme sa gueule. Ils sont 5 dans une pièce non définie du bâtiment A. Ils ont une bombe. On intervient rapide, simple, efficace. La recrue, pas de conneries, tu restes à l'arrière. C'est lui. Arrivez sur site dans 5, 4, 3, 2, 1. Lancement de l'opération. T'as tout pété, Izix, là. Arrête avec tes 200 bits, là. Dégage. Merci infiniment pour les 200 bits. Quel beau gosse. Il est beau gosse. Allez, putain, mène-toi. Il est sympa, il est beau gosse. C'est l'homme parfait, un petit peu ce que je dis, quand même, non? Y'a personne. On peut y aller. Il s'arrive. Ouais, j'aime bien. Ils sont à l'entrée sud. Caléra, tu les contournes? Bien reçu. Alibi, je reconnais pas tout le monde, c'est que des gros youtubeurs. Barricade. Ok. On sait où ils sont, on y va. Je regarde sur le grand écran. Allez, bonne chance les bolos. Moi, je vais là-haut. Donc, mais par ici. C'est pas vrai. Moi, j'aime bien. La baguette dans le coin. La musique est très sympa. C'est un petit peu années 80 là. Oh, je veux les shields. Non, je veux pas attraper le Frost. Bougez pas, énorme. Fallait vraiment... Mec, Squeezie, on t'a appris, franchement. Les trucs au sol, là, qui s'appellent des welcome mats, donc des paillassons en anglais, putain, marche pas dessus, quoi. On te l'avait dit, quoi. Eh, franchement, et tous les trucs qu'ils ont utilisés, Ubisoft, il y a des gens d'Ubisoft qui nous regardent. Allez, s'il te plaît, là. Nico, Alicia. Moi, je veux bien récupérer le shield ou le truc de fuse. Si vous avez des trucs, vraiment, gardez-les, WAM, s'il vous plaît. Ce serait super sympa. On fera un giveaway. La Salty Academy. T'as pas oublié le micro, toi, parce qu'il est un peu loin, ils m'entendent pas là. Appuie sur le bouton. Merci. Putain, il est nul. Les gars, je tiens pas vos petits culs, parce que ça va péter. Merde. Énorme. L'équipe, je suis pas seul, je vais m'aider. Wouah. Que. The fuck? Pourquoi le pied de biche? Ah mais, hé, mais c'est vrai, merde, t'as un pied de biche quand t'es en défense, quand t'ouvres les barricades. 2. Je compte, hein. Moi, je veux voir les détails. Elle a tapé dans deux trucs.
Il y en a que 5, hein, plus. Alors, y'a quelqu'un? Et non. Y'a plus personne. Alibi. One tap. Chopé par derrière. Elle en a mis 4, c'est ça. Vous les avez trouvés? Non, je pense qu'ils sont dans la grande salle, mais je suis pas sûr. Ok, je vais sonner leur portable. Hop, 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 hop. Gros problème. Gros problème. Les détails, les gars, les détails. Qui saura trouver le détail? Ah non, je... On est les vrais ou pas? C'est la Salty Academy ici ou quoi? Hein, c'est un champion du monde là qui est en train de vous parler? Ok, c'est quoi le détail? Le claquement de doigts! Mais bien sûr! Mais bien sûr! Il manque le... Putain, le... C'est comme ça, Doka! Mais je suis pas sûr. Ok, je vais sonner leur portable. Et il manque le claquement de doigts. Je suis désolé, cette vidéo est pourrie. On arrête. Allez, salut, bonne soirée. Ah oui, le puriste. Mais bien sûr, c'est extrêmement important. C'est ça qui est important. J'adore les easter eggs, les petits détails comme ça. Coucou. Nice. Et merde. Ouais, je sais, je suis casse-couille. Au cinéma, je suis le genre de mec qui se lève toutes les 3 minutes. Y'a que moi que ça choque. Doka et Bi avec des grenades. Et merde. C'est Carlito ça? Ah ouais. Yes. Ah, je suis nul. Ah, Backplay et Carlito, ok. C'est vrai qu'on les avait vus au All-Star. Ils avaient ça Rainbow Six. C'est une grenade ou c'est une flashbang? Oh, je sais, je suis casse-couille. Oh, c'est bon. Non, mais j'aime bien en plus. Je trouve ça hyper sympa. Ils ont vraiment fait du super boulot. Défonce-les. Nice! Nice le boost de Finca, très sympa. Très sympa. Bien aussi, fait en fait. Le shotgun est pas bon. T'as qu'un ours? C'est très drôle, c'est très bien réalisé, c'est très propre, ça va vite, c'est juste ce qu'il faut. Très bon boulot, honnêtement très bon boulot, vraiment, no sell. Très très bien, ouais non très sympa, je sais pas si vous avez aimé, moi j'ai bien aimé. Tu penses quoi de la vidéo de Squeezie sur S6? Vraiment, vraiment, vraiment top. J'ai vraiment beaucoup aimé la vidéo de Squeezie. Rigolote, simple. Enfin, simple. Techniquement, en tout cas, elle est ouf. Et c'est cool. C'est cool pour R6, c'est cool pour la communauté, c'est cool pour vous, c'est cool pour moi, c'est cool pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment top, top, top. Et on a hâte de rejouer. J'ai hâte de rejouer avec,
avec notre ami, enfin notre ami, mais qui prend la confiance. Avec mon frère, mon meilleur pote, avec qui on a vécu des moments inoubliables, Squeezie. Ouais. Ouais, je suis un peu con. Mary, t'as vu la vidéo de Squeezie ou pas ? Oui, j'en ai parlé plusieurs fois là tout à l'heure, et c'est bien de la merde. Hein.